Quoi qu'en disent médecins et diététiciens, manger des fruits n'est pas toujours bon pour la santé. Un habitant de Givet, dans les Ardennes, vient en effet de se retrouver à l'hôpital pour avoir mangé des pommes. Il faut dire que ce retraité de 65 ans n'y était pas allé avec le dos de la cuillère car il avait avalé en 5 jours 43 kg de pommes. Il ne s'agit cependant pas. Comme on pourrait le croire, d'un régime mal interprété, ni d'une tentative de suicide d'un nouveau genre, non. Le but de ce brave homme était simplement de voir son nom inscrit dans le célèbre livre Guinness des records, qui en contient bien d'autres tout aussi inutiles et farfelus. On est cependant loin du compte, car pour battre le précédent record mondial, il lui aurait fallu avaler 87 kg de pommes, soit le double de son score actuel. Un exploit donc qui ne lui rapportera rien, et qui coûte cher à la sécurité sociale, car l'homme, victime d'une indigestion, a été hospitalisé dans un état jugé sérieux, ses jours ne sont cependant pas en danger. Quoi qu'en disent médecins et diététiciens, manger des fruits n'est pas toujours bon pour la santé. Un habitant de Jivet, dans les Ardennes, vient en effet de se retrouver à l'hôpital pour avoir mangé des pommes. Il faut dire que ce retraité de 65 ans n'y était pas allé avec le dos de la cuillère, car il avait avalé en cinq jours 43 kg de pommes. Il ne s'agit cependant pas. Comme on pourrait le croire, d'un régime mal interprété, ni d'une tentative de suicide d'un nouveau genre, non. Le but de ce brave homme était simplement de voir son nom inscrit dans le célèbre livre Guinness des records, qui en contient bien d'autres tout aussi inutiles et farfelus. On est cependant loin du compte, car pour battre le précédent record mondial, il lui aurait fallu avaler 87 kg de pommes, soit le double de son score actuel. Un exploit donc qui ne lui rapportera rien, et qui coûte cher à la sécurité sociale, car l'homme, victime d'une indigestion, a été hospitalisé dans un état jugé sérieux, ses jours ne sont cependant pas en danger. Destination Madère. Nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer, dans cette chronique, cette superbe île portugaise, mais si j'attire à nouveau votre attention sur ce morceau de terre qui semble surgir de l'océan Atlantique au large des côtes marocaines, c'est à cause du printemps. En effet, Madère, surnommée l'île aux fleurs, vit à cette saison un véritable festival de couleurs et de senteurs. Après avoir visité Funchal, la capitale, vous n'aurez que l'embarras du choix pour sélectionner vos itinéraires de randonnée. Cette île est un paradis pour les marcheurs de toute catégorie et de tout âge. Certains choisiront le littoral, avec ses côtes escarpées et sa falaise la plus haute d'Europe. D'autres préféreront l'intérieur. Ils y trouveront la plus vieille forêt d'Europe, sur 450 km, ainsi que la plus grande forêt de laurier du monde, avec pas moins de 1360 espèces. La route 204, qui traverse le plateau central, provoque presque à coup sûr l'étonnement des randonneurs. L'hiver, elle est dans les nuages du fait de l'altitude qui approche les 1000 mètres. Et à cette saison, cette vaste étendue recouverte d'herbes rases accueille moutons et vaches. On y obtient surtout des panoramas somptueux sur les sommets de l'île, qui culminent à 1800 mètres, et sur les deux versants jusqu'à l'océan. En s'enfonçant un peu dans les vallées, on marche sous de véritables frondaisons de lauriers et de bruyères géantes aux dimensions incroyables. Encore plus étonnant, du muguet géant qui atteint 7 mètres de haut, il fleurit de juillet à septembre et tout le plateau en est alors parfumé. Madère n'est pas une destination balnéaire, mais bel et bien une splendide terre de randonnée pour les amateurs de nature exubérante. Plusieurs voyagistes la programment. J'ai trouvé des formules pour une semaine à partir de 590 euros par personne. Destination Madère. Nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer dans cette chronique cette superbe île portugaise, mais si j'attire à nouveau votre attention sur ce morceau de terre qui semble surgir de l'océan Atlantique au large des côtes marocaines, c'est à cause du printemps. En effet, Madère, surnommée l'île aux fleurs, vit à cette saison un véritable festival de couleurs et de senteurs. Après avoir visité Funchal, la capitale, vous n'aurez que l'embarras du choix pour sélectionner vos itinéraires de randonnée. Cette île est un paradis pour les marcheurs de toutes catégories et de tout âge. Certains choisiront le littoral avec ses côtes escarpées et sa falaise la plus haute d'Europe. D'autres préféreront l'intérieur. Ils y trouveront la plus vieille forêt d'Europe sur 450 km ainsi que la plus grande forêt de laurier du monde, avec pas moins de 1360 espèces. La route 204, qui traverse le plateau central, provoque presque à coup sûr l'étonnement des randonneurs. L'hiver, elle est dans les nuages du fait de l'altitude qui approche les 1000 mètres. Et à cette saison, cette vaste étendue recouverte d'herbes rases accueille moutons et vaches. On y obtient surtout des panoramas somptueux sur les sommets de l'île, qui culminent à 1800 mètres, et sur les deux versants jusqu'à l'océan. En s'enfonçant un peu dans les vallées, on marche sous de véritables frondaisons de lauriers et de bruyères géantes aux dimensions incroyables. Encore plus étonnant, du muguet géant qui atteint 7 mètres de haut, il fleurit de juillet à septembre et tout le plateau en est alors parfumé. Madère n'est pas une destination balnéaire, mais bel et bien une splendide terre de randonnée pour les amateurs de nature exubérante. Plusieurs voyagistes la programment. J'ai trouvé des formules pour une semaine à partir de 590 euros par personne. À l'heure où l'homme explore le cosmos, découvre-t-on encore des animaux sur notre bonne vieille terre Aussi curieux que cela puisse paraître, la réponse est oui. Des dizaines d'animaux nouveaux sont encore identifiés chaque année, ce qui ne veut pas dire que ces animaux soient d'apparition récente. En 1986, des scientifiques ont découvert, au large de la Nouvelle-Calédonie, un animal marin de la famille des oursins qu'ils ont baptisé échinoderme. Cet étrange animal, qui semble ne pas avoir évolué depuis des millions d'années, est l'une des espèces vivantes les plus anciennes connues à ce jour, un véritable héritier de la préhistoire. En 1994, une nouvelle espèce de dauphin a été repérée près des côtes brésiliennes, au Vietnam, des naturalistes ont découvert une nouvelle race de chèvres, en Amazonie, des milliers d'insectes restent encore à découvrir. En fait, il doit exister entre 10 et 80 millions d'espèces animales différentes. Et nous n'en connaissons aujourd'hui qu'un million quatre. À l'heure où l'homme explore le cosmos, découvre-t-on encore des animaux sur notre bonne vieille Terre? Aussi curieux que cela puisse paraître, la réponse est oui. Des dizaines d'animaux nouveaux sont encore identifiés chaque année, ce qui ne veut pas dire que ces animaux soient d'apparition récente. En 1986, des scientifiques ont découvert, au large de la Nouvelle-Calédonie, un animal marin de la famille des oursins qu'ils ont baptisé équinoderme. Cet étrange animal, qui semble ne pas avoir évolué depuis des millions d'années, est l'une des espèces vivantes les plus anciennes connues à ce jour, un véritable héritier de la préhistoire. En 1994, une nouvelle espèce de dauphin a été repérée près des côtes brésiliennes. Au Vietnam, des naturalistes ont découvert une nouvelle race de chèvres. En Amazonie, des milliers d'insectes restent encore à découvrir. En fait, il doit exister entre 10 et 80 millions d'espèces animales différentes et nous n'en connaissons aujourd'hui qu'un million quatre. Quoi qu'en disent médecins et diététiciens, manger des fruits n'est pas toujours bon pour la santé. Un habitant de Givet, dans les Ardennes, vient en effet de se retrouver à l'hôpital pour avoir mangé des pommes. Il faut dire que ce retraité de 65 ans n'y était pas allé avec le dos de la cuillère, car il avait avalé en cinq jours 43 kg de pommes. Il ne s'agit cependant pas comme on pourrait le croire, d'un régime mal interprété, ni d'une tentative de suicide d'un nouveau genre, non. Le but de ce brave homme était simplement de voir son nom inscrit dans le célèbre livre Guinness des records, qui en contient bien d'autres tout aussi inutiles et farfelus. On est cependant loin du compte, car pour battre le précédent record mondial, il lui aurait fallu avaler 87 kg de pommes, soit le double de son score actuel. Un exploit donc qui ne lui rapportera rien et qui coûte cher à la sécurité sociale, car l'homme, victime d'une indigestion, a été hospitalisé dans un état jugé sérieux, ses jours ne sont cependant pas en danger. Destination Madère. Nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer, dans cette chronique, cette superbe île portugaise, mais si j'attire à nouveau votre attention sur ce morceau de terre qui semble surgir de l'océan Atlantique au large des côtes marocaines, c'est à cause du printemps. En effet, Madère, surnommée l'île aux fleurs, vit à cette saison un véritable festival de couleurs et de senteurs. Après avoir visité Funchal, la capitale, vous n'aurez que l'embarras du choix pour sélectionner vos itinéraires de randonnée. Cette île est un paradis pour les marcheurs de toutes catégories et de tout âge. Certains choisiront le littoral avec ses côtes escarpées et sa falaise la plus haute d'Europe. D'autres préféreront l'intérieur. Ils y trouveront la plus vieille forêt d'Europe sur 450 km ainsi que la plus grande forêt de laurier du monde, avec pas moins de 1360 espèces. La route 204, qui traverse le plateau central, provoque presque à coup sûr l'étonnement des randonneurs. L'hiver, elle est dans les nuages du fait de l'altitude qui approche les 1000 mètres. Et à cette saison, cette vaste étendue recouverte d'herbes rases accueille moutons et vaches. On y obtient surtout des panoramas somptueux sur les sommets de l'île, qui culminent à 1800 mètres, et sur les deux versants jusqu'à l'océan. En s'enfonçant un peu dans les vallées, on marche sous de véritables frondaisons de lauriers et de bruyères géantes aux dimensions incroyables. Encore plus étonnant, du muguet géant qui atteint 7 mètres de haut, il fleurit de juillet à septembre et tout le plateau en est alors parfumé. Madère n'est pas une destination balnéaire, mais bel et bien une splendide terre de randonnée pour les amateurs de nature exubérante. Plusieurs voyagistes la programment. J'ai trouvé des formules pour une semaine à partir de 590 euros par personne. À l'heure où l'homme explore le cosmos, découvre-t-on encore des animaux sur notre bonne vieille Terre Aussi curieux que cela puisse paraître, la réponse est oui. Des dizaines d'animaux nouveaux sont encore identifiés chaque année, ce qui ne veut pas dire que ces animaux soient d'apparition récente. En 1986, des scientifiques ont découvert, au large de la Nouvelle-Calédonie, un animal marin de la famille des oursins qu'ils ont baptisé échinoderme. Cet étrange animal, qui semble ne pas avoir évolué depuis des millions d'années, est l'une des espèces vivantes les plus anciennes connues à ce jour, un véritable héritier de la préhistoire. En 1994, une nouvelle espèce de dauphin a été repérée près des côtes brésiliennes au Vietnam, des naturalistes ont découvert une nouvelle race de chèvres en Amazonie, des milliers d'insectes restent encore à découvrir. En fait, il doit exister entre 10 et 80 millions d'espèces animales différentes. Et nous n'en connaissons aujourd'hui qu'un million quatre. Quoi qu'en disent médecins et diététiciens, manger des fruits n'est pas toujours bon pour la santé. Un habitant de Givet, dans les Ardennes, vient en effet de se retrouver à l'hôpital pour avoir mangé des pommes. Il faut dire que ce retraité de 65 ans n'y était pas allé avec le dos de la cuillère. Car il avait avalé en cinq jours 43 kg de pommes. Il ne s'agit cependant pas, comme on pourrait le croire, d'un régime mal interprété, ni d'une tentative de suicide d'un nouveau genre, non. Le but de ce brave homme était simplement de voir son nom inscrit dans le célèbre livre Guinness des records, qui en contient bien d'autres tout aussi inutiles et farfelus. On est cependant loin du compte, car pour battre le précédent record mondial, il lui aurait fallu avaler 87 kg de pommes, soit le double de son score actuel. Un exploit donc qui ne lui rapportera rien et qui coûte cher à la sécurité sociale, car l'homme, victime d'une indigestion, a été hospitalisé dans un état jugé sérieux, ses jours ne sont cependant pas en danger. Destination Madère. Nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer, dans cette chronique, cette superbe île portugaise, mais si j'attire à nouveau votre attention sur ce morceau de terre qui semble surgir de l'océan Atlantique au large des côtes marocaines, c'est à cause du printemps. En effet, Madère, surnommée l'île aux fleurs, vit à cette saison un véritable festival de couleurs et de senteurs. Après avoir visité Funchal, la capitale, vous n'aurez que l'embarras du choix pour sélectionner vos itinéraires de randonnée. Cette île est un paradis pour les marcheurs de toute catégorie et de tout âge. Certains choisiront le littoral, avec ses côtes escarpées et sa falaise la plus haute d'Europe. D'autres préféreront l'intérieur. Ils y trouveront la plus vieille forêt d'Europe, sur 450 km, ainsi que la plus grande forêt de laurier du monde, avec pas moins de 1360 espèces. La route 204, qui traverse le plateau central, provoque presque à coup sûr l'étonnement des randonneurs. L'hiver, elle est dans les nuages du fait de l'altitude qui approche les 1000 mètres. Et à cette saison, cette vaste étendue recouverte d'herbes rases accueille moutons et vaches. On y obtient surtout des panoramas somptueux sur les sommets de l'île, qui culminent à 1800 mètres, et sur les deux versants jusqu'à l'océan. En s'enfonçant un peu dans les vallées, on marche sous de véritables frondaisons de lauriers et de bruyères géantes aux dimensions incroyables. Encore plus étonnant, du muguet géant qui atteint 7 mètres de haut, il fleurit de juillet à septembre et tout le plateau en est alors parfumé. Madère n'est pas une destination balnéaire, mais bel et bien une splendide terre de randonnée pour les amateurs de nature exubérante. Plusieurs voyagistes la programment. J'ai trouvé des formules pour une semaine à partir de 590 euros par personne. À l'heure où l'homme explore le cosmos, découvre-t-on encore des animaux sur notre bonne vieille Terre Aussi curieux que cela puisse paraître, la réponse est oui. Des dizaines d'animaux nouveaux sont encore identifiés chaque année, ce qui ne veut pas dire que ces animaux soient d'apparition récente. En 1986, des scientifiques ont découvert, au large de la Nouvelle-Calédonie, un animal marin de la famille des oursins qu'ils ont baptisé échinoderme. Cet étrange animal, qui semble ne pas avoir évolué depuis des millions d'années, est l'une des espèces vivantes les plus anciennes connues à ce jour, un véritable héritier de la préhistoire. En 1994, une nouvelle espèce de dauphin a été repérée près des côtes brésiliennes, au Vietnam, des naturalistes ont découvert une nouvelle race de chèvres, en Amazonie, des milliers d'insectes restent encore à découvrir. En fait, il doit exister entre 10 et 80 millions d'espèces animales différentes. Et nous n'en connaissons aujourd'hui qu'un million quatre.